Et de retour sur le plateau, je suis toujours bien entourée. Après avoir parlé du Boucan des Arts à Lavaré, où on se retrouve ce week-end avec Olivier Drone, je me tourne maintenant vers Yves Jumeau. Vous êtes artiste plasticien. Peut-être avant de vous présenter, un petit jeu. Vous, si vous deviez définir justement un thème sur lequel travailler pour exposer, vous aimeriez quoi? Si, en un mot, si vous deviez vous pencher dans un thème. L'horreur. C'est l'horreur? Non, l'horreur, non. On ne va pas passer de l'empreinte à l'horreur. Ça ne va pas être possible. Non. Évidemment, l'introspection. L'introspection qui est le titre de votre exposition à la Galerie L'Armature jusqu'au 12 octobre. Exposition à Fresnay-sur-Sarthe, dans la jolie Galerie L'Armature. Du coup, Yves Jumeau, vous avez vous exposé. Pourquoi introspection? Quel est votre travail? On va déjà vous présenter. Alors, je crois, en premier lieu, ce que je tiens surtout, c'est à parler de Pascal Le Duc, qui nous a fait rencontrer, d'une part, et qui, sans elle, rien ne se serait passé. Qui est la responsable de la galerie L'Armature. Qui a créé cette galerie. Donc, c'est une espèce de pari dans faire ça dans un petit village en Sarthe, dans une période où le marché de l'art est quand même un peu compliqué, sauf à très, très haut niveau. Autrement, financièrement, c'est quand même assez compliqué. Et donc, j'ai trouvé ça assez culotté. Oui, et une très bonne programmation en plus. Voilà, pour ça, je pioche régulièrement pour faire venir. Sur culturel. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous y exposez dans cette belle galerie? Là-bas, j'y expose. Il y a un panel de travail qui est un peu différent. Alors, parfois, certains sont un peu déroutés en disant je ne comprends pas, parce que là, il y a une vitrine qui est présentée avec des œuvres qui sont de type cristallisé. Après, il y a des œuvres que l'on voit sur l'autre écran qui est derrière vous. On le verra sûrement après. Donc, il y a des travaux qui sont différents. Il faut dire que ça représente nombreuses années de création. Donc évidemment, entre certaines œuvres, il y a une confrontation d'une vingtaine, 25 ans d'écart. Donc évidemment, ça peut être un peu saisissant. Mais malgré tout, il y a quand même un fil conducteur qui est justement la notion d'introspection, puisqu'avant tout, mon thème de travail, c'est l'humain. Sous toutes ses formes, que ce soit psychologique, relationnel, sociologique, etc., etc., c'est mon cœur de métier. C'est ce qui me passionne. Est-ce qu'il n'y a pas un double sens sur cette introspection de l'humain, mais aussi de votre travail, puisque vous dites que, voilà, sur plusieurs années de travail. Oui, oui, bien évidemment, c'est un travail également sur moi-même. Alors, on essaye ici, dans l'émission, de donner à voir différents types d'œuvres et puis d'essayer d'expliquer aussi aux téléspectateurs pour qu'ils aient envie de découvrir ça. Vous êtes le fils d'un maître verrier. Oui. Donc, il y a cette matière, en tout cas, quelque chose, une connaissance d'un artisanat d'art. Enfin, je ne sais pas exactement ce que faisait votre père. Et puis, finalement, vous êtes d'abord ingénieur. Vous avez un parcours... on va dire classique avant de revenir à l'art. Oui. Alors, en fait, mon père avait un atelier de vitrail en création et en restauration, les deux. Moi, j'ai dû faire mes premiers panneaux de vitraux, je devais avoir 4-5 ans à peu près. On doit retrouver dans les archives du Maine Libre, d'ailleurs, une photo de moi à côté de mon père et à côté de M. Duchemin, qui était ferronnier d'art à l'époque. Et tout gamin, en fait, je voulais faire la sculpture, mais en verre. Alors, ça paraissait une utopie totale, puisque ça ne se faisait pas. Il y a encore 40 ans en arrière, personne n'y croyait. Et je crois qu'en fait, pour en avoir réfléchi ces derniers temps, je crois que c'était la réunion, en fait, d'un ami à mon père, qui était sculpteur, qui travaillait le bois, et qui était avec un compagnon du Tour de France, et qui avait une particularité, comme tous les compagnons du Tour de France à l'époque, d'avoir une petite bague en or. Et c'est l'association de ces deux types pour qui j'avais beaucoup d'admiration et j'avais envie de faire la sculpture. Donc c'est un peu étonnant. Non, mais si je vous demande ça, parce que c'est vrai que parfois c'est une petite anecdote qui nous amène vers un artiste ou vers le travail de quelqu'un et des choses qui peuvent être difficiles à appréhender pour le grand public. Voilà. Dès lors qu'on comprend peut-être un petit peu des cheminements ou des envies qui nous amènent à ça, ça nous donne un peu envie. Et puis, il y a la notion
vos œuvres sont très symboliques, donc c'est vrai que voilà, ça va nous interpeller quand on passe devant, mais c'est vrai que tout le monde ne va pas forcément tout de suite en saisir tous les aspects, tous les enjeux. Vous travaillez avec ces pièces cristallisées et bleues. Alors moi, évidemment, ça m'a fait penser au bleu clin. Ce bleu-là, il représente quoi ? Pourquoi ce bleu ? C'est un bleu cobalt. C'est ce qu'il y a de plus pur. Alors le bleu clin, ce n'est pas un bleu cobalt. C'est un bleu avec du rouge dedans. Il y a du rouge dedans, ce qui fait qu'à l'œil, ça vibre différemment. Alors que là, c'est un pur cobalt, ça ne peut pas être plus pur cobalt que ça, au niveau de la couleur. Alors c'est vrai que c'est souvent la référence, c'est un peu comme une époque, on parlait des bleus de Chartres. Oui, mais c'est le côté monochrome, et puis la sculpture monochrome aussi, mais l'idée de vous approprier aussi un médium et qu'il soit utilisé sur plusieurs œuvres, ça permet une sorte de signature. Cette cristallisation, comment elle s'opère ? Oh, en fait, c'est un détournement d'objets. J'utilise les objets existants, alors que ce soit des chaussures, là on voit une gaine, on voit des choses féminines, un buste, etc. Ce sont des objets existants. Là, c'est une chauffeuse Napoléon III. Donc, c'est une espèce de fixation du temps, en fait. Pour moi, j'ai cristallisé aussi des bouteilles de champagne, comme ça. Alors, c'est terrible, parce qu'on a envie de l'ouvrir, mais en même temps, si on l'ouvre, est-ce qu'on ne casse pas l'œuvre ? Enfin, c'est compliqué. C'est comme le crâne, alors ça fait un peu penser à des artistes contemporains comme Damien Hirst, etc. Mais là, ce crâne-là, il est cristallisé en bleu, on ne sait pas s'il y a un vrai crâne en dessous. Et puis, telle est la question, puisque c'est une introspection, n'est-ce pas ? Alors, votre nom d'artiste, c'est Roboam. Là aussi, c'est une histoire de famille. Oui, en fait, Roboam, c'est le nom de ma grand-mère maternelle, que je n'ai jamais connue, en fait. Mais j'ai toujours entendu parler de cette femme, était une femme formidable. Et donc, j'ai eu envie de rendre hommage à cette autre partie de, familiale, que je n'ai même pas connue. Et donc, à mi-chemin de mon parcours, j'ai eu envie d'utiliser ce nom familial, parce que j'ai changé aussi ma programmation d'expression. Là, je me suis mis à la photo et donc c'est comme ça que c'est une idiotie de ma part. J'aurais dû continuer sous le nom du jumeau et autre chose à côté. Ça aurait été mieux au niveau du show. Vous auriez pu vous dédoubler pour faire le show. En fin de compte, je repars de zéro. Il y a plein de gens qui ne savent pas qui c'est. Alors que j'ai un background international à côté, donc j'ai perdu un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Et en photographie, c'est la question du numérique et de cet écran qui peut servir dans tous les sens du terme, qui vous intéresse aussi ? Bien sûr, bien évidemment. Là, c'est... mais je crois que c'est le propre de tout artiste. On crée des choses et puis en même temps, on se camoufle derrière. C'est tout un jeu subtil parce qu'on veut montrer, mais en même temps, on veut pas se montrer. Le paradoxe, on est sculpteur et on parle de son travail. En écrivant, ça me semble normal qu'il parle de son travail. Nous, on devrait pas parler de notre travail. À la limite, on devrait juste montrer nos œuvres. Ce serait tellement plus facile. Mais en même temps, c'est le langage, c'est le médium universel. Exactement. Par excellence. Alors après, y a plusieurs façons de l'appréhender. Avec des rencontres, comme on le disait tout à l'heure avec Olivier à la Varée, par exemple, où là, on va être en contact direct avec les artistes. Et puis, des fois, se retrouver face à une œuvre et pourquoi pas avoir quelque chose qui se passe entre elle et nous et avoir envie de l'acquérir. Et tout ça, voilà, ça permet aussi les galeries sont là pour ça aussi, de nous ouvrir à des œuvres qu'on n'aurait pas forcément chez nous. Moi, il y a des artistes que j'adore, mais que même si on m'offrait l'étoile, je ne suis pas sûre que je les mettrais chez moi, parce que je ne sais pas si j'arriverais à vivre avec, en fait, parce que c'est faire ensemble et c'est vivre des émotions par rapport à tout ça. Oui. Mais pourquoi pas une petite tête de mort cristallisée bleue sur ma table de chevet. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ? Par le biais de l'Artothèque, pendant 6 mois, pourquoi pas ? Oui, voilà, c'est ça. Pour tester. Tester. Alors, vous avez vu, hein, ils font comme quoi l'art, c'est pas du business, mais par contre, c'est des relations culturelles. C'est fait pour ça, c'est pour faire des liens partout en Sarthe. En ce moment, vous allez à la Galerie de l'Armature à Fresnay-sur-Sarthe. De toute façon, une programmation les yeux fermés, mais là, vous voyez Yves Jumeau. Oui. Alors, ce qui est aussi très, très important, c'est que les galeries d'art, ce sont des magasins qui sont ouverts comme les autres. Il n'y a pas de passe sanitaire, parce qu'il y a des gens qui sont un peu inquiets en disant est-ce qu'il y a une passe sanitaire ? Non, il n'y a pas de passe sanitaire. Et donc,
que c'est plus facile pour certaines personnes de pouvoir venir sans être anxieux, en disant est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on peut pas rentrer. Voilà. C'est comme un magasin. Local. Et d'ailleurs, absolument. On peut repartir en achetant une œuvre. Le fond du magasin, bien sûr. Le fond du magasin. Et ben voilà, vos idées de week-end sont toutes trouvées. On va vous en donner d'autres par la suite de Culturel. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau me parler de vos expériences et de vos propositions culturelles en Sarthe. Comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas tous venir sur le plateau. Il s'en passe plein de choses ici. Vous n'avez plus aucune excuse. On voit ça tout de suite dans Culturel.